Famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce des dieux. Heureuse de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. C'est les week-ends. Beaucoup de mamans les passent dans le ménage. Alors, je suis votre amie qui va vous tenir compagnie pour le ménage d'aujourd'hui. Alors, je tiens à vous préciser que la vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec mon amie Myriam. Elle fait le même style de vidéo que moi dans la motivation ménage, la cuisine. Elle partage des très belles recettes. C'est une jeune maman de 2 enfants. Alors, je vous en prie vraiment de faire un tour sur sa chaîne. Si vous écrivez Mirada, vous allez retrouver motivation ménage et cuisine. Visitez ses vidéos. Je suis sûre que vous allez aimer. Et si vous aimez et que vous vous abonnez, dites-lui que c'est de ma part. Je vais également vous partager une petite vidéo de ce qu'elle fait, question de vous motiver à aller faire un tour chez elle. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je me présente, je m'appelle Myriam. Je suis une femme au foyer, une maman de 10 enfants, 4 ans et 10 ans et demi. Alors, ma chaîne a été créée pour partager avec vous ma vie de maman. Sur ma chaîne, je partage la décoration, la motivation ménage et la cuisine. Allez faire un tour sur ma chaîne. Si vous aimez les contenus que je fais sur ma chaîne, abonnez-vous, likez et partagez. Activez également la cloche des notifications pour ne pas manquer à chaque fois que je posterai. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai commencé ce ménage par d'abord servir mon bébé. C'est elle la boss. En fait, elle avait pris le lait au réveil quand j'ai terminé de la changer et tout, mais elle pleurait, genre elle a faim. Elle a déjà 6 mois, elle prend déjà sa bouillie. Alors, comme il était presque 10 heures, j'ai trouvé bon de lui faire à manger. Comme ça, elle sera plus calme et ça me permettra de réaliser au moins quelque chose pour la journée. Alors, je voulais vous montrer le céréal que j'utilise pour elle. Donc, elle prend le Gerber céréal pour bébé. Et à part ça, je lui fais aussi des purées fait maison avec des pommes de terre, carottes, voilà, les vegetables, elle aime beaucoup. Et puis quand je fais purée, elle mange super bien. Mais quand nous mangeons aussi, je lui fais goûter carrément à tout ce qu'on mange. Hein. Même le docteur m'a dit, elle peut vraiment tout manger, même la salade. Donc je lui fais goûter, voilà, comme ça elle va s'habituer, ça ne sera pas un bébé picky comme sa grande sœur. Quand elle était bébé, je respectais, je donnais que le baby food, je ne lui donnais pas de nourriture jusqu'à ce qu'elle a eu presque 10 mois et ça l'a carrément nuit parce qu'elle est vraiment piquée. Elle choisit quoi manger, elle mange pas tout, elle choisit en fait. Mais mon garçon, il avait presque tout mangé quand il était bébé. C'est ce que j'essaie de faire avec celle-ci. Elle aime d'ailleurs beaucoup la nourriture et je pense que ça va aller super bien. Bébé est calme. Là, je peux attaquer avec mon ménage du jour. Alors, j'étais plus au salon. Il y a le rideau de mon salon que mon bébé avait fait tomber, mon fils. En fait, il jouait avec, je ne sais pas ce qui s'était passé exactement. C'est tombé. Alors, ça fait des trous sur les murs. Il fallait arranger d'abord les trous là et puis fixer à nouveau le rideau. Musique.
Là, je vous montre ce que j'utilise pour résoudre les problèmes des trous sur les murs. Voilà, ça coûte pas grand-chose et vous n'avez carrément pas besoin des skills pour couvrir les trous sur les murs, surtout les trous qu'on fait là pour les rideaux. Quand vous appliquez ce produit, c'est rose. Alors, quand ça devient blanc, ça signifie que ça a séché. Alors, j'ai appliqué un peu partout. Il y avait des petits trous, voilà, des rideaux, quand j'hésitais pour installer. Donc, je vais juste bien appliquer. Quand ça va sécher, à la fin, je viendrai mettre, appliquer un peu des peintures et le mur est tout nouveau encore. Alors, là, je suis en train de prendre les mesures pour remettre mes crochets en place. Et j'ai aussi remarqué que mes rideaux étaient sales. Du coup, je ne vais pas les remettre immédiatement. Je vais aller les laver, repasser. Ensuite, je vais les remettre en place. En fait, je n'ai pas mis les rideaux partout, mais j'ai vraiment choisi de mettre le rideau sur cette fenêtre-là parce que ça donne sur la route. Et la nuit, je filme beaucoup. Si mon mari n'est pas là, que je suis seule au salon en train de filmer la nuit, j'aurais comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui me guette par la fenêtre. Et ça me fait un peu peur. Voilà. J'ai pris les rideaux et je les ramène dans la buanderie pour nettoyer. Madame a pleuré un peu, je l'ai mise au dos et KO. Donc, elle va aller dormir et moi, je vais continuer avec mon ménage. Et là, je devais déballer les colis que j'ai reçus de Amazon. J'avais acheté le petit rangement pour café, voilà, que je vais juste mettre en dessous de ma machine à café, voilà, pour me gagner en termes d'espace. Je n'avais aucune place où mettre mes cups de café. J'ai beaucoup aimé, c'est comme le petit tiroir là, vous rangez vos cafés à l'intérieur et la machine est juste au-dessus. J'ai beaucoup aimé et si vous en voulez, dites-moi en commentaire, je vais vous partager le lien. Je l'ai acheté sur Amazon. À part mon petit rangement à café, que voilà, c'est en métallique, donc très bonne qualité que vous pouvez utiliser pendant des années. J'ai également acheté quelques bols, deux bols, voilà, pour les restes de nourriture. Voilà, je voulais d'abord commander pour voir le size. Si le size me plaît, je vais ajouter parce que mon objectif actuellement c'est de jeter tous les bols plastiques que j'ai. Ça me saoule, les taches sur les bols plastiques avec nos nourritures africaines, ça me saoule, ça me saoule. J'en veux plus. En fait, je vais commencer à acheter le bol petit à petit, le même modèle. Voilà pourquoi j'ai acheté sur Amazon, parce que à Lowe's tu peux trouver quelque chose, tu achètes deux et prochainement tu trouves un autre modèle. Je compte en avoir 6 ou 8. En tout cas, 8, ça va me faire vraiment du bien. J'aime beaucoup la taille.
Alors, quand j'ai fini de ranger le café, j'ai remarqué que la machine était trop lente par rapport à l'endroit où j'ai placé. Alors, je vais pousser un peu du côté fenêtre et je vais déplacer le air fryer qui va rentrer dans le coin où c'était avant. Quand on finit de ranger le café, on s'offre une tasse. Voilà, je vais me faire plaisir avec une tasse de café comme j'avais une longue journée devant moi. Je vais profiter de mon café tout doucement. Entre-temps, je vérifie aussi les rideaux du côté de la buanderie. Le mur a séché, je suis allée me changer. Voilà, vous avez vu, c'était rose quand j'avais mis. Donc, quand ça a séché, c'est devenu blanc. Alors, je suis allée me changer pour venir mettre de la peinture là où il y a des taches blanches, là que vous voyez. C'est les produits là que j'ai utilisés pour arranger les trous et tout. Voilà, je vais mettre un peu de peinture. Ensuite, quand la peinture va sécher et que les rideaux vont aussi sécher, je vais les repasser, je les fais hors caméra. Comme j'avais le bébé au dos, j'ai pas voulu filmer ça. Et puis, je vais réinstaller mes rideaux. En attendant les rideaux, tout allait bien, les enfants allaient bien, mon mari est rentré. Il faisait quelques push-ups et moi je lui ai dit que je pouvais aussi essayer. Alors j'ai recordé ça, mais malheureusement, j'ai pas pu. Ça, c'était trop amusant. Et là, il était temps de réinstaller les rideaux après avoir repassé hors caméra, bien sûr.
je passe rapidement l'aspirateur pour me rassurer qu'il n'y a pas de miettes de nourriture. Voilà, le salon est propre, les rideaux sont propres. C'est juste agréable de voir mon salon neutre comme ça, sans décoration sophistiquée. Ça me plaît énormément. J'aime quand c'est simple comme ça. Il n'y a pas vraiment de couleur, d'accent à part ma plante. Ça me plaît vraiment comme ça et je ne crois pas que je vais décorer pour l'été. Je vais garder mon salon ou ma décoration vraiment, vraiment minimaliste, très, très simple, neutre. J'ai mis une pause au ménage pour m'occuper du dîner. Alors, il fallait faire à manger pour ma famille. J'ai préparé les snappers. J'ai traduit pour vous en français, c'est les vivano, voilà. D'autres personnes appellent ça tilapia rouge, mais ce n'est pas du tout les tilapia car le goût est totalement différent. C'est un très bon poisson que je peux vous recommander. Je vais les faire tout simplement avec 5 ingrédients et ça sera super facile. On va accompagner ça avec une sauce champignon que je vais également vous partager dans la suite de la vidéo. Alors, si vous reproduisez ma recette, n'hésitez pas de revenir en commentaire me dire ce que vous en pensez ou si vous préparez ça différemment, pourquoi ne pas partager avec moi votre recette dans les commentaires. J'aime apprendre, on apprend toute la vie et on ne se lasse pas d'apprendre, surtout quand il s'agit de la bonne cuisine. C'est toujours les mêmes nourritures dans le monde entier mais préparées différemment. Donc si vous avez votre recette qui diffère de la mienne, partagez avec moi, je serai très heureuse d'apprendre de vous et pourquoi pas l'essayer.
les poissons bien nettoyés avec le vinaigre. Je vais vous montrer différents poissons, de mettre les lignes avec esthétique sur vos poissons. Voilà, c'est très important pour la présentation et ça permet également à la marinade ou aux épices de bien pénétrer dans la chair. Comme ça, votre poisson aura juste un très bon goût à l'intérieur et ça sera aussi présentable à l'extérieur. Pour assaisonner mes snaps, j'aurai besoin d'un peu de jus de citron, voilà, un peu de sel, un peu d'assaisonnement italien, voilà, un peu d'huile végétale, un peu de poivre blanc, vous pouvez prendre de noir, un peu de gingembre en poudre, un peu de muscade, mais également un peu d'ail. Voilà, j'ai pris la pâte. Je vais mettre tout ça dans mon poisson bien appliqué et laisser mariner pendant 30 minutes, 30 à 40 minutes. Le plus longtemps sera le mieux avant de passer mes poissons au four.
Avant, je voulais pas salir mes mains, mais j'ai fini par appliquer la marinade avec mes mains et ça donne ça. En fait, j'ai pas voulu mettre des paprika parce que je voulais que mes poissons gardent la couleur, sa couleur naturelle en fait. Et c'était le cas, vous allez voir les résultats à la fin. Alors, il faut toujours laisser la marinade pénétrer dans votre nourriture entre 30 à 40 minutes. Le plus longtemps sera le mieux. Et puis j'ai pris mon plateau caraway qui vient avec le panier là que je vais déposer et puis je vais utiliser pour mes poissons. Je crois que j'avais spray un peu d'huile, voilà. Sinon, vous n'avez pas besoin d'huile avec les ustensiles caraway parce que c'est non-stick et ça marche à 100%. Si vous voulez acheter, je vais vous laisser le lien dans la description pour vos commandes. Alors, je vais juste déposer mes poissons, just like that, et puis ça va aller au four. En attendant que le poisson soit prêt, je vais faire ma petite sauce rapidement. Alors, dans ma poêle caraway, je viendrai mettre un peu d'huile végétale. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parce que la poêle, elle est non-stick. Donc, rien ne va coller, même avec un peu d'huile. Vous pouvez même appliquer juste un peu d'huile, vous pouvez sauter vos vegetables. Donc, je vais faire suivre mes légumes.
Et c'est par ces images que nous allons nous dire au revoir pour aujourd'hui. J'espère que la recette ou les deux recettes vous ont plu. En tout cas, si c'est le cas, laissez-moi vos pouces bleus si vous avez aimé la motivation au ménage. Aimez cette vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir. Bye!